Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Donc, c'est notre dernière conférence de l'année et on est très heureux de la partager avec un bureau d'études en ingénierie, le bureau d'études OGI qui est avec nous ce matin. Donc c'est évidemment pour tous nos auditeurs, vous savez ce que c'est qu'un bureau d'études d'ingénierie, mais celui-ci compile toutes les compétences pour faire de la maîtrise d'œuvre d'espaces publics en paysage. Vers des réseaux, sols pollués, démolition, OPC et j'en passe. Vous pourrez nous réexpliquer, espace vert bien sûr. Et c'est un bureau d'études OGI familial. Donc vous avez aujourd'hui avec nous Alain Devaux et Julien Devaux, donc, qui ont tous les deux créé et qui travaillent aujourd'hui à la continuité de ce bureau d'études. Qui vient de fêter ses 30 ans. Donc 30 ans de bureau d'études, d'aménagement d'espaces publics avec de nombreux paysagistes. C'est aussi ce sujet que vous venez nous raconter ce matin. C'est la manière dont vous avez travaillé avec notre profession sur de nombreux grands projets. Et c'est vrai que c'est aussi, ce matin, j'avais envie aussi de remercier Laurence Traboni qui nous accompagne aux expériences de paysage et qui nous parle aussi de votre travail avec les paysagistes comme un langage commun. Et on le verra, en fait, c'est important pour nous de faire cette conférence et de montrer aussi aux jeunes qui vont faire de la maîtrise d'œuvre en paysage que 50% du travail est fait avec les bureaux d'études, qu'on innove ensemble, qu'on partage des honoraires ensemble aussi, et donc on partage aussi la signature de nos projets. Donc c'est tout ça, en fait, que vous allez nous raconter ce matin. Et puis, du coup, vous êtes porte-parole de votre bureau d'études, mais aussi un peu porte-parole des ingénieurs, finalement, et des projets. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Merci aussi également au pavillon de l'Arsenal et à la Fédération française du paysage. Alors on commence par, moi aussi j'aime bien les images, donc on commence par Magritte. Vous connaissez tous effectivement cette fameuse peinture. Ceci n'est pas une pipe, mais pour moi tout est une question de point de vue en fait. Et notre point de vue est bien souvent guidé par nos expériences, notre éducation, notre formation. Un paysagiste verra peut-être dans cette pipe un morceau d'arbre. Personnellement, en tant qu'ingénieur, je me demande toujours comment ces morceaux de matériaux différents sont emboîtés ensemble et comment tout cela a été fabriqué. Si on rentre un peu plus dans notre relation avec le paysage, on vous propose aujourd'hui de retracer l'histoire d'OGI au travers de nos rencontres avec les paysagistes, parce que oui, on souhaite être un partenaire du paysage et du paysagiste. Ces hommes et ces femmes qui nous ont permis d'élaborer un terrain d'échange et de compréhension mutuelle, un vocabulaire commun où les mots ont la même signification. Nous aurions bien aimé pouvoir citer tous les paysagistes et parfois même les architectes ici présents, avec qui nous avons mené cette relation de partenariat, mais je pense qu'il nous aurait fallu quasiment toute la journée, donc on va essayer de faire concis, et bien évidemment toutes nos excuses par avance à ceux que nous ne pourrons citer dans cette présentation. Pour faire simple, ça c'est ce que peut voir un paysagiste dans son travail. Pour vous donner la différence, ça c'est ce que moi je vois par exemple. C'est assez différent, ça fait un peu peur parfois, mais c'est effectivement là aussi beaucoup moins beau, mais c'est ce qui rend possible en fait la première image. Maintenant que nous avons posé les bases de ces deux mondes qui essayent de se parler, je laisse la parole à Alain pour essayer de vous expliquer les premiers pas de ces nombreux partenariats. Merci. Et donc, paradoxalement, on va parler d'abord de la création d'OGI, effectivement, et surtout d'un immense architecte que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans les années 90 à la création d'OGI, puisque OGI a été créé le 2 décembre 91. J'ai rencontré Bernard Huette donc, quelques années auparavant,
Et c'est grâce à lui qu'on a pu faire l'opération des Champs-Élysées, puisqu'on a été associé sur cette immense opération pour un bureau d'études qui démarrait son activité pratiquement depuis 6 mois. Bernard Huette et l'administration parisienne nous a fait confiance pour réaliser cette opération. On parle de paysage, mais je vais quand même parler longtemps de Bernard Huette au démarrage, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire OGI tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que je pense que tous les collaborateurs de au moins des 10 premières années ont fait des très belles expériences dans les aménagements urbains. Bernard avait d'abord été exceptionnel dans son rapport avec l'histoire, sa culture, sa transmission comme professeur et journaliste, son extrême précision et sa recherche de la perfection du projet dans tous les sites qu'on a fait avec lui, ont été à la fois un exemple et un aiguillon pour tous les collaborateurs de GI. Bien évidemment, l'avenue des Champs-Élysées, avec sa création de sa deuxième ligne d'arbres, a été un sujet de réflexion important, puisque pour créer cette deuxième ligne d'arbres, il a fallu déplacer une quantité phénoménale de kilomètres de réseau. Il a fallu... je ne sais pas si tu... Non, tu n'as pas les Champs-Élysées derrière. il a fallu déplacer des aérations de métro, des sorties de métro, et même l'entrée du souterrain qui passe sous l'Arc de Triomphe. La réussite de cette opération avec Bernard Huette nous a convaincu de poursuivre avec lui dans cette voie, et c'est comme ça qu'on a fait de nombreux projets avec lui. Alors, pas Stalingrad, on ne l'a pas fait avec lui, mais je souhaitais quand même la montrer, parce que il nous a appelé quand même dans les années 90. Place Stalingrad a été faite en 85-88. Et pour les gens qui connaissent un peu le quartier, il y avait quelques déjà désagréments dès les années 90. Et donc la ville de Paris avait demandé à Bernard de modifier un peu certaines entrées et sorties qui étaient malvenues. Et donc on a participé avec lui à la transformation, légère transformation de la place de Stalingrad. Entre autres, le canal que vous voyez sur le côté droit de l'affiche a été supprimé et est devenu en fait maintenant une esplanade verte. Mais c'est grâce avec Bernard Huette que j'ai pu rencontrer des gens aussi extraordinaires, et ce qui a ouvert aussi une certaine activité par rapport à nos origines. On a oublié de se présenter, mais Julien est ingénieur de l'ESTP et des arts et métiers. Moi, je suis ingénieur de l'école de la ville de Paris, d'ingénieur de la ville de Paris et des ponts et chaussées. Donc, on n'avait vraiment pas une culture ni d'architecte ni de paysagiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore moins pour moi qui, dans les années 75-80, les écoles d'ingénieurs n'étaient pas vraiment ouvertes encore vers l'architecture ou le paysage. Donc on était plutôt formés à faire du béton, de l'autoroute et autres. Et donc c'est vraiment grâce à Bernard Huette que j'ai pu rencontrer des gens, par exemple comme Jean-Claude. Bon, j'espère que un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais qui est un sculpteur qui est malheureusement lui aussi décédé. J'avais eu le privilège d'aller avec Bernard Huette dans son atelier qui était vers la Bastille pour pouvoir voir avec eux deux la statue qui a été posée à l'extrémité de l'ex-canal qui est devenu une esplanade verte. Et je vous recommande d'aller voir, si vous avez l'occasion d'aller à Stalingrad, d'aller voir cette statue. Il y a d'ailleurs une deuxième statue qui est de Jean-Claude, qui est
en bas des Champs-Élysées, dans les espaces, dans les jardins du bas des Champs-Élysées. Mais c'est aussi Bernard m'a permis, entre autres, et j'espère que je suis même à peu près certain, qu'il m'a permis, et donc il a permis aussi à tous les collaborateurs d'OGI, de nous ouvrir vers autre chose que du béton pur et dur. Et c'est ainsi que je suis allé avec lui, par exemple, à Milan. Il m'a emmené à Milan, faire d'abord visiter une très belle exposition, mais aussi participer à un colloque sur l'aménagement des Champs-Élysées. Je dois dire que c'est un grand bonhomme et que c'est grâce à lui que je pense qu'on a pu faire de très belles choses ensuite. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que donc on a démarré la société dans les années 90. Je vais faire quand même un peu vieux, je ne dis pas le reste, mais je le pense pas, je le pense quand même. Dans les années 90, pour les gens qui sont les plus jeunes ici, on était avec un calque et un rotring. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas 25 numéros de projet. On en faisait un, on en faisait peut-être deux, mais on n'en faisait pas autant qu'aujourd'hui. Ça se grattait le calque, oui, mais enfin, je ne sais même pas si les jeunes ici connaissent ce qu'est un rotring. Vu. Oh, si. Non, pas forcément. On disait Rapido surtout, oui. Rapido qui avait la gratounette. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est une époque où il y avait beaucoup de réflexions avant de tracer un trait. Ce qui est peut-être un peu dommage par rapport aux possibilités qu'ont donné l'informatique aujourd'hui de faire beaucoup de choses très rapidement. Et peut-être, bon, là, encore, j'ai près de 70 ans, donc je vais le dire, mais peut-être des fois un peu trop rapide et moins réfléchi que lorsqu'on traçait un trait. Mais grâce à lui, c'est vrai qu'on a travaillé dans son atelier. Les collaborateurs et moi-même, on allait travailler ensemble et je pense que c'est une très bonne expérience de pouvoir, et je le redirai après, que les bureaux d'études, bon, c'est vrai qu'en général, ce sont les bureaux d'études qui se déplacent et non pas les paysagistes ou les architectes qui viennent chez nous, mais c'est un plaisir quand même d'aller chez eux et de travailler ensemble et non pas que chacun travaille dans son coin et se balance des plans ou des plans un peu tardivement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là, donc, bon, c'est effectivement les Champs-Élysées. Donc, pour. Non, mais je vais vérifier. Non. On n'entend pas. Juste deux mots pour les Champs-Élysées. Donc, même si tu peux passer à celle d'après, parce que je trouve qu'elle est plus jolie. Les Champs-Élysées, donc, on a dépassé énormément de choses. Et pour les. Plus jeune, il faut savoir que dans les années avant l'aménagement de 90-92, il y avait une contre-allée et beaucoup de voitures. Alors, maintenant, on est vraiment contre la voiture, mais déjà à l'époque, la mairie de Paris souhaitait qu'il n'y ait plus de cette contre-allée et ce stationnement de voitures. Et donc l'objectif, ça a été que Bernard Houbet réinvente ses perspectives avec des arbres. Perspectives qui ont permis aussi d'avoir des trottoirs beaucoup plus grands puisqu'il n'y avait plus de voitures et de contre-allées. Et permettre aussi aux restaurants, qui sont nombreux quand même, de pouvoir avoir des terrasses qui soient à peu près régulières. Pour la petite histoire quand même, on a réaliser cette opération en déplaçant toutes les terrasses et en fermant même celle du Fouquet's, ce qui n'a pas été une moindre affaire, mais on a été très bien accueillis avec le patron du Fouquet's de l'époque qui nous permettait, pas moi parce que j'aime pas le café, mais de prendre le café quand même au Fouquet's quand on était devant chez lui. Donc très belle opération qui a été rendue dans les délais, puisqu'à l'époque, Jacques Chirac, on devait finir au mois de novembre, il nous a dit, enfin à la fin de l'année 94, il nous a dit, vous finissez au mois d'octobre, pour une raison, je pense, électorale, et on a fini au mois d'octobre. Mais donc, c'est grâce à cette opération qu'on a poursuivi après, donc il y a quelques photos d'exemples de ce qu'était cette opération, ce chantier assez important quand même.
qui a été faite avec un collaborateur qu'on a toujours dans la société qui s'appelle Gérard Corançon-Baudu, qui a suivi le chantier de A à Z pendant les 3 ans de chantier. On pourrait noter qu'on a fait quelques progrès sur la sécurité sur les chantiers, par exemple. Il y a quelques absences de pays, par exemple. Mais là aussi, on avait des protections d'arbres qui, par exemple, on voit un peu moins souvent maintenant ce genre de choses. Donc là aussi, de l'archive, mais ça fait bien de temps en temps de se replonger dans les archives. C'est pas nous qui avons réalisé, mais pour ceux qui ont le courage éventuellement de retrouver les archives de cette opération, il y a eu un grand parking qui a été réalisé ou agrandi sous les Champs-Élysées. Et à cette occasion, les arbres qui existaient ont été maintenus en l'air par des solutions vraiment hors normes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, bien qu'on soit de plus en plus écolo, je ne suis pas sûr qu'on dépenserait autant d'argent pour conserver des arbres sur le site. Mais on aura l'occasion de le réaborder quasiment en fin de présentation sur ce sujet, parce que c'est effectivement important ce moment. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai une grande admiration pour Bernard Huet, donc on va quand même passer assez rapidement, puisqu'il n'est pas paysagiste, mais quand même il nous a emmenés sur de très belles opérations. Avec lui, on a réalisé la ZAC cathédrale à Amiens, autour de la cathédrale et puis de l'université. Mais ce qui nous a amené à planter beaucoup d'arbres également, de réhabiliter les canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont sur Amiens, visiter Amiens, sont encore assez admiratifs de ce qu'a pu réaliser Bernard Huet sur un quartier quand même qui était relativement défavorisé avant qu'on puisse intervenir. Et l'intelligence de Bernard, c'était que dans ces aménagements que certains pourraient s'y trouver très minéral, de mettre de temps en temps des espaces privilégiés comme ce jardin qui s'appelle toujours le jardin gothique, où on pouvait et on peut toujours d'ailleurs se recueillir, bien qu'on soit à côté de la cathédrale, mais en tout cas trouver un espace beaucoup plus restreint pour les étudiants qui sont pas loin d'ailleurs et qui peuvent être un peu plus tranquilles que sur les autres lieux de cette ZAC, ex-ZAC cathédrale. Mais ça a été aussi l'occasion, et Julien en parlera beaucoup mieux que moi, de nous lancer sur des activités dont on n'avait vraiment pas, on n'était pas parti à l'origine, donc je n'étais pas parti à l'origine, puisque Julien est rentré dans la société, entre autres pour développer la partie eau et assainissement, mais fontainerie. Et donc, à cette occasion, on a pu refaire des fontaines que vous pouvez voir, qui est le canal du Chaux, qui existait auparavant, mais qui a été complètement réhabilité avec les consignes de Bernard, mais la réalisation de Julien. On va passer. Bon, ça, c'est un des bâtiments qu'a fait Bernard, parce qu'effectivement, il était quand même architecte. On a également été avec lui, et c'est pour ça que je dis qu'on a été très marqué par l'influence de Bernard Huet. C'est que juste derrière, il y a Brest, par exemple, là encore très minéral, mais où on a eu l'occasion donc de créer un passage souterrain piéton entre les deux aménagements qui étaient prévus, le square Maton et la place de la Liberté. Je pense que tu peux passer assez vite. Ce sont des photos du centre-ville d'Albi, autour de la cathédrale. Bon, on va passer puisque c'est quand même extrêmement minéral. Et on est un peu loin du sujet, mais je pensais quand même qu'il fallait vous montrer ce qu'on avait pu réaliser avec Bernard Huet.
Et dans le paysage, il y a aussi effectivement la partie minérale et pas que effectivement espace vert. Donc là aussi, c'est un peu la continuité de ce qu'on fait maintenant, puisque au quotidien avec les paysagistes, on ne fait pas que des espaces verts, et c'est, je pense, important aussi de le rappeler. Vas-y, passe. Bon. Les photos qui sont effectivement juste derrière avec des réalisations très proches de ce qu'il avait pu dessiner à la base. Là, c'est quand même, et je dois un peu insister, même si je vais peut-être choquer certains, c'est que dans les années quand même 90, les paysagistes étaient plutôt sur les grands espaces et n'étaient pas vraiment encore dans la ville, c'est le moins qu'on puisse dire. Un exemple, par exemple, avec Bernard Huet, on a eu la chance de faire le parc du 26e centenaire à Marseille, qui est un immense parc, je crois que ça doit être le deuxième ou le troisième, enfin c'est le plus récent en tout cas sur Marseille, qui est très apprécié des Marseillais. On connaît le nom de Bernard Huet sur ce parc. Je suis désolé pour Christian Baudot qui était le paysagiste, mais enfin bon, on a surtout l'emploi de Christian Baudot était dans l'essence des arbres, mais à part ça, c'est Bernard Huet qui a fait le parc et pas Christian Baudot. De même, à la même époque, et on n'y était pas, mais Bernard a fait le parc de Bercy. Et c'était quand même aussi sous sa direction avec d'autres personnes, mais que le parc de Bercy a été réalisé et non pas avec en premier lieu avec un paysagiste. Et oui, quand même. Et oui, à la même époque. Juste après, à la même époque. Il faut bien indiquer qu'on a démarré une expérience assez extraordinaire aussi, non pas sur le parc de Bercy, mais sur la ZAC de Bercy, puisqu'avec Muriel Pagès, qui nous a fait la gentillesse d'assister ce matin à notre présentation, on a travaillé pendant près d'une vingtaine d'années, enfin, même sur d'autres opérations, mais la ZAC de Bercy, de 92 à 2006 ou 2007, avec énormément quand même de... Bien que ça soit minéral, et ça devait être minéral, puisqu'il y avait un parc à côté, donc on ne pouvait pas non plus faire que des espaces verts. Mais donc, grâce à l'expérience de connaissance de Muriel Pagès, on a fait énormément de kilomètres de voies et de places et autres, avec la plantation d'arbres, donc vous pouvez le voir là. La récupération des pavés. La récupération. Et donc, on a gardé tous les pavés, on les a remis, et que pour les arbres, on a voulu les garder. Les parcs et jardins ont voulu les couper, parce que ce sont des arbres en 2003, il faut les couper, ils sont anciens. Et Chirac, maire de Paris, est allé à Bercy et a dit on les garde. On ne coupera pas un arbre, et on a conservé. Et un peu procédés. Oui. Et donc, c'était une des origines de conserver des arbres un peu en suspension pour pouvoir garder, sur les recommandations du maire de l'époque, ces arbres. Et je pense que tout le monde en est content aujourd'hui, parce que ça permet quand même d'avoir des arbres qui sont beaucoup plus importants que même ceux qu'on a plantés par ailleurs. Mais ça aussi était, comme Muriel le rappelait, ça a été aussi l'occasion de faire un acte très écolo, c'est-à-dire que tous les pavés qui sont aujourd'hui présents sur le site sont de la récupération des anciens, comment ça s'appelait ? Les cours de Bercy, enfin, voilà, qui servaient autrefois, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que la grande majorité des gens qui sont présents ici ne savent pas, mais en fait c'était des entrepôts de vin, déchets,
Et donc, il y en a quelques-uns qui ont été conservés. Mais donc, on a expérimenté le fait de déposer ces pavés et de les couper en deux pour les remettre la partie sciée plus facile pour marcher. Et il n'était pas utile d'avoir 15 cm de pavé ou 16 cm de pavé pour marcher. Et donc, c'était une expérience aussi assez intéressante de récupération de ces pavés et avec quelques difficultés. Et là, qui n'était pas très écologique au départ, puisqu'on était obligé de les transporter jusqu'en Belgique pour les faire couper en deux et les faire revenir en France. Heureusement, la ville de Paris, après, s'est trouvé des moyens en propre pour les découper. Merci à Muriel qui nous a permis de faire aussi cette très belle expérience, entre autres, parmi tant d'autres. Mais donc, encore pas une paysagiste, je suis désolé. vous allez me dire, enfin un paysagiste. Et quel paysagiste ? Une chance supplémentaire donc dans mes rencontres a été celle de rencontrer Michel Corajou. Malheureusement, vous allez dire que je n'aurais pas porté vraiment chance, puisqu'à la fois Bernard est mort en 2001 et Michel est mort en 2014. J'espère que ce n'est pas moi qui porte ce malheur. Michel, je l'ai rencontré. Alors, à l'époque, quand même, Michel commençait déjà à faire des aménagements urbains, après avoir fait des grands parcs autour de Paris, entre autres, un très grand parc. Mais comme c'était l'époque des concours, et que j'étais très fidèle avec Bernard Metz, on ne pouvait pas forcément être dans deux concours. Et donc, on s'est tiré un peu la bourre. Michel et Bernard, et donc je n'ai pas pu participer à un certain nombre d'opérations que Michel Corajou a gagnées. Par contre, c'est vrai qu'on a démarré avec lui le parc de Gerland, qui s'appelle plus le parc de Gerland maintenant, mais le parc... je ne sais plus. Non, c'est pas la Chabert. À Lyon. Un immense parc qui a été créé sur un ancien site industriel qui nous a permis là aussi de faire des expériences diverses et variées, des canaux où on nous a demandé de trouver des possibilités de planter des végétaux, mais à des hauteurs différentes, donc ce qui ne simplifiait pas la vie vraiment pour la circulation ni de l'eau ni du fond du canal. Il a eu une idée à un moment de faire des murs en pisé. Bon, je ne sais pas si pour les plus jeunes, enfin peut-être pas d'ailleurs pour les plus jeunes, d'ailleurs. Les pisés, c'est de la terre compactée, en fait, qui était à la mode à un certain moment, notamment dans la région de Lyon. Donc il a fallu refaire des recherches parce que, comme c'était quand même avec le Grand Lyon, l'opération du Grand Lyon, les fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires, je le précise tout de suite, j'ai été 15 ans fonctionnaire. Mais c'est vrai, avec quelques difficultés à croire qu'on pouvait faire des murs et des murets en terre, alors qu'ils auraient préféré qu'on les fasse en béton. Et grâce à l'assistance de Michel Corajou, on a fait des opérations en murs en pisé. Et puis, bon, il a fait quand même... d'énormes quantités de plantations sur ce parc qui est, pour ceux qui vont de temps en temps à Lyon, vaut la peine de se déplacer, puisqu'il y a vraiment des aménagements qui sont totalement différents entre la grande plaine et puis les différentes activités qu'on peut avoir dans ce parc. Avec Michel, on a fait, bien évidemment, on revient sur Paris, l'avenue d'Italie. Il n'a pas été tout seul, il y avait Pierre Gagné, mais bon, même si souvent on parle de Pierre, c'est quand même plutôt Michel qui a dessiné. Et donc là aussi, la ville de Paris ne croyait pas qu'on réussirait à planter cette ligne d'arbres.
On nous a soutenu pendant des mois qu'on n'y arriverait pas. Et là, il a fallu toute l'ingéniosité de mes collaborateurs pour trouver des emplacements pour déplacer des aérations de métro, des sorties de métro. Pas beaucoup, parce que c'est très compliqué avec la RATP, mais on a quand même réussi donc à déplacer, comme d'ailleurs sur les Champs-Élysées, des aérations de métro, des grosses aérations, et une quantité aussi phénoménale de réseaux sur cette avenue qui a changé complètement d'aspect quand même grâce à l'opération qu'a faite Michel Corajou, parce que cette avenue était relativement peu lisible avant son intervention, et maintenant entre autres avec les arbres, mais aussi avec tout le réaménagement du trottoir, a été très requalifié dans ce quartier qui, comme on le voit derrière, avec les grandes tours, n'était pas forcément des plus agréables. Bon, je pense que tu peux passer. Et une dernière opération. Je suis dans le temps. Je suis dans le temps, et parle un peu plus fort pour la salle ici présente, si tu le peux. Oui, j'ai un peu mal à la gorge, si je disais. Une très belle opération, et puis je pense que avec Michel, on en restera là. C'est l'esplanade du Champ de Mars à Lille, autour de la citadelle, une ancienne citadelle de Vauban. Où on a réalisé avec lui une passerelle, un pont, et puis surtout un grand espace. Et un des problèmes plutôt qu'on avait à résoudre avec Michel Corajou, ça a été de pouvoir faire un espace vert. Alors après, vous allez voir la photo derrière qui n'est pas forcément verte, mais bon. Faire un espace qui soit verdi et qui soit accessible à des forains, puisque dessus s'installe la fête foraine tous les ans. Et ça a été de très longues discussions avec les forains pour pouvoir mettre des systèmes où on pouvait avoir de la verdure, mais aussi où eux pouvaient mettre leurs chapiteaux. Parce que d'habitude, ils rentraient sur le site. Et il défonçait le site, et après la mairie le refaisait pour les 6 mois qui venaient. Maintenant, ils ont accepté de mettre d'autres méthodes pour ne pas défoncer le site, mais nous aussi, on s'est vraiment embêté, et je suis poli, pour trouver des matériaux qui acceptent à la fois de supporter des très gros porteurs, des masses importantes pour retenir les chapiteaux de cirque, par exemple, et qui soient verdissables, même si le terme n'est pas très français. Jacqueline Osti a été aussi une rencontre importante pour nous, parce que, comme avec les 3 autres que je viens de citer, nous a permis de travailler ensemble pratiquement dès le départ, et donc c'est vrai que les relations qu'on a eues avec l'équipe de Jacqueline, et puis les nombreuses heures qu'on a pu passer ensemble dans les locaux pour discuter des aménagements. Et je pense que je vais vous parler du premier parc qu'on a fait ensemble, c'est le parc Théodore Monod au Mans, qui était une ancienne caserne, et où l'objectif était de conserver les murs, mais aussi d'en faire donc un espace vert dans un quartier qui n'était pas non plus au départ très favorisé, et où Jacqueline a eu la malice de multiplier les espaces dans un relativement petit espace complet. Et donc, entre autres, ont été faits une très belle fontaine qui n'est à l'origine n'est pas
d'OGI, puisque c'est Lorca qui a été le fontainier. Mais comme à l'époque aussi souvent, les gens comme Lorca étaient des fontainiers, ils faisaient des tuyaux, mais ils ne faisaient pas le génie civil. Donc c'est nous qui avons fait tout le génie civil, qui est relativement compliqué, puisqu'il y a, il y a trois espaces, trois volumes pour faire des espaces d'eau. Une très belle cascade que vous voyez, voilà. Une très belle cascade avec en dessous, comme a pu vous montrer tout à l'heure Julien, on voit le dessus, c'est-à-dire le cheminement de l'eau sur des pavés décalés, qui donne vraiment un très bel aspect, sauf qu'en dessous, enfin pas sauf qu'en dessous, mais en dessous il y a une énorme machinerie pour que ça fonctionne. Et autre particularité de ce parc qui nous a donné beaucoup de problèmes, c'est il y a une serre qui a été faite métallique qui est en tronc de cône, qui nous a posé quelques problèmes mathématiques pour que ça tienne debout. Une très belle réalisation si vous allez au Mans. Et qui, moi je ne sais pas si tu as été il n'y a pas très longtemps, voilà, et qui a bien pris son ampleur. Je pense que je vais... Et maintenant, je vais laisser la parole à Julien sur le parc Martin Luther King, que j'ai forcément commencé, mais qu'il est en train de finir, ou presque. Ouais, je crois que dans la salle, il y a des gens qui connaissent très bien le parc Martin Luther King. Merci Jérôme d'être là et merci à tous ceux qui hochent de la tête. Effectivement, pour moi, ça a été une des premières réalisations avec Jacqueline. Alors tu dis, on a travaillé, mais on continue de travailler, bien évidemment, avec Jacqueline, et heureusement. C'est un parc sur la durée, parc qui a été livré encore que récemment. Le nouveau quartier de Clichy-Batignolles qui est effectivement à la base déjà avec un esprit olympique puisque c'était, ça devait être le village olympique 2012, peut-être qu'on a bien fait de le perdre et de transformer ça du coup en parc pour certains effectivement là aussi je vois que ça hoche de la tête. C'est effectivement à la fois un parc et une ZAC plus globalement. Parce que là aussi, on a réalisé ce parc et puis avec l'agence Gréter, on a aussi réalisé effectivement cette ZAC avec des prouesses techniques sur la partie génie civil puisqu'on est venu couvrir le faisceau SNCF Saint-Lazare pour la partie de l'entretien des trains et c'était pour OGI sur cette partie génie civil immense aventure, puisque c'était un peu plus de 100 millions d'euros de travaux, rien que sur la partie génie civil. Et par-dessus, cette dalle, vous connaissez maintenant tous les bâtiments qui ont été construits et ces nombreuses œuvres architecturales. Et qui tiennent. Merci. Oui, je crois qu'on nous paye aussi pour ça, c'est pour que ça tienne. Mais je rebondis effectivement sur ce propos-là, parce qu'on n'en parle pas souvent, ou pas assez, mais pour nous, le développement durable, c'est aussi ça. C'est de penser à l'entretien, à la maintenance, et ce sont des éléments qui sont importants. Vous le voyez aujourd'hui, on a beaucoup œuvré avec vous, paysagistes, pour avoir des éléments signatures. Et ces éléments signatures, ce sont nos cartes de visite, et on ne peut pas effectivement les renier ou les voir demain transformer. Et pour moi, sur la partie fontainerie, en pot de fleurs, parce que de temps en temps, quand la fontaine ne fonctionne plus, on la transforme en pot de fleurs. Donc c'est effectivement bien pour les paysagistes parce qu'on met des fleurs, mais moins bien pour nous tous parce qu'effectivement on transforme le projet et c'est pas l'intention de base qui y est. Donc on préfère ne pas faire les fontaines si jamais on n'a pas l'entretien et la maintenance derrière qui est assuré. Voilà, petite parenthèse. Donc ce nouveau quartier effectivement maintenant rebaptisé Parc Martin Luther King, c'est effectivement une de mes premières expériences avec un parcours de l'eau et une continuité sur l'eau qui est assez remarquable. Donc tout à l'heure, vous avez vu, c'était l'image qui était du dessous de la place DG. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement là aussi une cuve qui fait plusieurs milliers de mètres cubes pour pouvoir récupérer les eaux de l'ensemble de l'espace du parc.
Et puis mettre ça pour du stockage, de la gestion à la base et de la rétention, puisqu'on nous avait imposé une rétention sur cet arrondissement, chose qui a changé depuis et du coup qui s'est transformée en stockage important pour tout ce qui est arrosage. Et puis on a été plus loin encore, puisque avec Jacqueline, on a été récupérer en fait les éléments de la serpentine qui existe du square des Batignolles, qui est de l'autre côté, qui fonctionnait en eau perdue. Et donc on a fait passer par des tuyaux en fait cette évacuation de la serpentine pour pouvoir l'intégrer dans la nouvelle partie du parc qui est effectivement ce long canal qui arrive jusqu'à des grands bassins que vous connaissez et qui ont été du coup complétés par cette phase 2 et 3 du parc qui vient du coup de l'autre côté des éléments de la petite ceinture. Rares sont les fois où on voit quelques trains qui y passent. Mais effectivement, là aussi, on a eu de grandes discussions avec les services de la SNCF notamment pour pouvoir continuer à avoir ces trains qui y viennent. Certains ont mis dans la presse effectivement là aussi, et je fais un petit clin d'œil en disant que c'était très dérangeant d'avoir des trains qui y passent. Mais là aussi, je pense que c'est aussi un peu notre avenir qui doit se jouer là-dessus, plutôt que de nombreux camions pour venir ramener notamment des matériaux. Je pense qu'il est important là aussi qu'on s'ouvre un peu l'esprit et que le ferroviaire refasse de temps en temps un peu une résurrection de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, mais dans le travail de Jacqueline, moi ce qui m'impressionne toujours, c'est cette capacité à pouvoir mettre énormément de détails dans très peu de place et de pouvoir composer un parc qui... dont une des thématiques était effectivement les quatre saisons, mais qui du coup est beau dans tout au long de l'année. Et ça, c'est effectivement assez remarquable. On a à la fois des grands espaces où on peut fonctionner avec différents sports. Et là aussi, autre thématique issue des JO et des athlètes, c'était de pouvoir avoir des zones où on pouvait s'y reposer, s'y détendre et avoir sortir un petit peu de temps en temps de certains parisiens qui peut être un peu suffocant, et donc de pouvoir lire aussi de temps en temps et de se sentir ailleurs. Et c'est ça aussi pour nous le paysage, c'est de pouvoir composer des éléments qui sont à la fois des fonctionnalités très différentes dans des espaces qui sont très contraints, très particuliers, et puis de l'autre côté d'offrir des vues assez impressionnantes. Il y a des fois où on, mis à part les grues qu'on voit au fond, on a plus l'impression d'être dans Paris. Et c'est vrai que c'est là aussi des éléments forts qui nous demandent un peu de travail. Vous voyez, il y a un peu de structure et un peu d'ouvrage dedans, mais qui sont remarquables par la signature de Jacqueline. Un élément qui, malheureusement, vous allez me dire, c'était quasiment une de mes premières fontaines, mais qui ne fonctionne plus de nos jours. Et un de mes buts, c'est de pouvoir la faire refonctionner un jour. C'est cette fontaine Martin Luther King. On avait quand même une belle ambition, c'était de pouvoir aussi offrir un moment de fraîcheur avec là aussi de la brumisation, des éléments très ludiques. Donc on avait peut-être été plus ambitieux que notre maître d'ouvrage. Et puis on avait là aussi, pour la petite histoire, et comme très souvent, constitué un cahier des charges pour pouvoir réaliser cet entretien et cette maintenance, avec là aussi des contraintes qui sont importantes pour nous, puisqu'en fait, systématiquement, dans nos dossiers de consultation aux entreprises, on met en place une année d'entretien et de maintenance qui est inclus dans les travaux. Donc ça repousse en fait les réceptions. C'est très embêtant pour nous parce que en fait notre marché se poursuit alors que les travaux sont terminés. Mais c'est très important pour nous de pouvoir créer ce lien et du coup cette communication entre une entreprise de réalisation qui sait qu'il va avoir aussi cet entretien et le service exploitation ou l'entreprise qui va venir par la suite entretenir cette fontaine. Donc là aussi on y travaille avec les services de la ville de Paris, mais on sait que aujourd'hui ça coûte de l'argent. Est-ce que parfois il n'est pas important de pouvoir investir ou continuer à investir puisque l'investissement de base a été fait, continuer à investir pour pouvoir entretenir
Et donc là, c'est de grands débats, et je sais qu'on pourra en avoir de nombreux dans la répartition entre les financements liés à l'investissement et ceux qui sont liés à tout ce qui est entretien et maintenance. Et aujourd'hui, bah, je vais le dire clairement, il est plus facile pour un maire de venir couper un ruban le jour de l'inauguration, mais un des rêves que l'on peut partager ensemble, c'est de venir 2 ans, 5 ans ou 10 ans après couper à nouveau ce ruban, parce que c'est important. Et que on se dise que ça a bien vieilli, que les gens sont contents et fiers, et que là aussi on pourrait valoriser les gens qui font cet entretien, parce que ça fait partie aussi, et je sais Jérôme que tu es très présent sur cette situation, aux côtés de la ville de Paris pour pouvoir continuer à avoir des beaux espaces avec des vraies fonctionnalités, ou voire même des fonctionnalités qu'on n'avait pas imaginées, qui arrivent et débarquent sur nos projets. Un grand homme aussi qu'on a eu la chance de croiser et avec qui on continue parfois de travailler, c'est Michel. Il en a parlé, donc je vais me permettre là aussi de compléter son propos par rapport à l'hippodrome d'Auteuil. J'évoquerai pas les mêmes sujets des papas et des mamans. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment fort des interviews réalisées ici, mais si vous l'avez pas vu, c'est rigolo, allez-y, c'est un bon moment. Il en parle toujours avec beaucoup d'humour. Les plus centrales du coup de l'hippodrome d'Auteuil ici, elles ont été rétrocédées du coup en 2006 à la ville de Paris. Et là aussi, un de nos défis, ça a été de pouvoir mettre en place cet espace qui est au centre de l'hippodrome, tout en maintenant les courses. Et tu en parlais tout à l'heure, Alain. C'est vrai que une de nos priorités, c'est bien évidemment là aussi de continuer à avoir des fonctionnements. On l'a vu sur la Bastille, on l'a vu sur le centre-ville de Vincennes. On a des acteurs économiques qui sont importants, sur la place des Taureaux également, où on a besoin de continuer à avoir de la vie, et c'est ça aussi l'urbain. Donc ça nous donne beaucoup de contraintes, mais on est engagé dans cette situation avec les villes pour pouvoir continuer à maintenir cette activité économique. Donc plusieurs choses remarquables dans le centre des pelouses de l'hippodrome. C'est à la fois cette composition entre l'eau qui est présente un peu partout, ces différentes activités puisqu'on a plusieurs grands complexes et structures pour faire de l'activité physique. Donc on voyait par exemple ici plusieurs terrains de sport. Mais pour pouvoir réaliser tout ça, on a du coup réaliser des modelés de terrain qui font à peu près 80 000 m², 8 000 m3 de terre, et c'est la remise en œuvre du coup d'à peu près 5 000 m3 de graves concassés pour pouvoir réaliser notamment les cheminements. On a une plateforme d'athlétisme également, on a une promenade tout au long du coup de ces différents parcours, avec là aussi un parcours de sport qui est intégré dans tous ces ensembles, un terrain de rugby en synthétique, un terrain de hockey, et tout ça en plus homologué pour pouvoir accueillir des compétitions internationales. Là aussi, j'en parlais tout de suite, mais tout ce qui est gestion de l'eau, vous allez me dire, c'est maintenant des choses qui sont classiques et intégrées, mais on continue à essayer de faire de l'innovation ensemble. Donc c'est toute cette partie gestion de l'eau dans le développement durable. Et à la fois, moi ce que je trouve remarquable, c'est la capacité à pouvoir créer un espace avec de l'eau, un espace où on a du détail et le souci du détail avec ces éléments de padane et de pierre. Et du coup une fonctionnalité, parce qu'en fait toute cette eau elle est utilisée pour tout l'arrosage du parc. Donc là aussi un peu plus de 500 mètres linéaires de rivière artificielle, 5000 mètres carrés de bassin à ciel ouvert, et effectivement une belle capacité pour pouvoir stocker de l'eau et le redonner aux plantes, puisque là aussi elles en ont besoin et il faut en avoir conscience. Parfois des sujets importants que sont l'arrosage automatique, puisque là aussi c'est une vraie relation entre la terre, l'existence de la terre, les amendements éventuels, les apports qu'on essaye de limiter de plus en plus, et puis cette question hydrique
avec des plantes qu'on essaye de mettre de plus en plus localement, et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Donc on vous accompagne dans tous ces sujets. ILEX, avec Guéric Perret et puis Nadia Herbreteau, on a réalisé là aussi plusieurs beaux sujets, dont notamment les premiers qui étaient le plus emblématique, en tout cas pour moi, dans les premiers, ce sont les berges de Seine, ici les Moulineaux. C'est un projet global qui concerne le tracé du coup de la RD7 et tout le réaménagement du coup des berges sur trois communes. Donc pour les rappeler, c'est ici les Moulineaux, c'est Meudon et c'est Sèvres. L'ambition de cette opération, c'était d'ouvrir les trois communes sur le fleuve. Là aussi, la question de l'eau et des fleuves est une question importante pour le paysage. On a très longtemps tourné le dos au fleuve après s'être implanté dans cette question importante pour nous, pour pouvoir vivre. On s'était implanté à côté des grandes zones d'eau pour pouvoir là aussi créer des transports et puis pour pouvoir faire acheminer tous ces matériaux, mais là aussi tout simplement pour pouvoir vivre. On a tourné le dos du coup à tous ces espaces-là parce qu'ils étaient devenus insalubres pour la plupart. On est dans le quartier du Marais ici à Paris et heureusement ça a bien changé, ça n'est plus un marais, mais à l'époque c'était effectivement une zone insalubre où il y avait certainement encore plus de rats qu'aujourd'hui. Mais il faut pouvoir se le rappeler et on a le souhait tous ensemble de pouvoir magnifier à nouveau ces espaces-là. Et c'était un des buts au travers de ce projet. Là aussi, quelques difficultés, parce qu'en fait, on a beaucoup de péniches qui sont, pour la plupart d'ailleurs, stationnées et qui sont en permanent. Et du coup, un ou plusieurs accès par péniche. Là aussi, on a l'impression que c'est simple et que c'est du linéaire et que c'est du très... répétitif, basique, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que derrière chaque accès on a que des particularités, et notamment dans les réseaux, puisque chacun a ses besoins, chacun avait son petit cahier des charges, et là aussi le souhait de pouvoir continuer à les avoir, c'est de leur restituer au minimum ce qu'ils avaient, mais prendre en compte en plus bien évidemment tous leurs nouveaux besoins, parce que là aussi on a beaucoup de péniches qui accueillent du public notamment. Donc ça veut dire beaucoup de génie civil, ça veut dire beaucoup de serrurerie, puisque là aussi on a énormément de serrurerie pour accompagner cette question importante de la sécurité. Et puis tout ce qui est ouvrage terrestre, avec là aussi énormément de réseaux qui viennent accompagner tout ça. Une gestion de l'eau qui fait percoler du coup l'eau et les restitue dans des noues, avec là aussi des capacités à pouvoir gérer notamment les montées des eaux de la Seine, puisque vous le savez, on est effectivement sur des crues qui peuvent être importantes, qu'on n'a pas connues depuis un certain temps, mais pour lequel du coup la ville de Paris est très attachée à maintenir ses dispositifs avec une capacité à pouvoir sécuriser les ensembles des abords de la Seine, afin d'éviter d'avoir des parkings, des caves, mais également des bas d'immeubles et des pieds d'immeubles qui soient sous les eaux. On réalise également en ce moment les allées de Neuilly. Alors désolé pour tous les gens qui habitent du coup dans l'ouest de Paris, parce qu'effectivement on a des travaux qui sont relativement importants, notamment avec le conseil départemental, mais aussi et surtout avec la ville de Paris. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens, cet axe majeur, il a été dessiné par Le Nôtre, et c'est le prolongement des Champs-Élysées vers la Défense. Donc elle s'appelle l'avenue Charles de Gaulle. C'est à la fois un cœur de ville, mais également une vitrine économique de Neuilly-sur-Seine. On le rappelait tout à l'heure avec les Champs-Élysées, mais c'est vrai qu'elle est toujours occupée actuellement par 92% à peu près effectivement par l'automobile. Et la réponse d'ILEX au concours international qui avait été lancé, c'était de libérer l'espace, c'était de restituer les contre-allées aux usages du quartier, et donc ne plus voir cette trois fois deux voies déborder, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire la ville qui déborde sur cette trois fois deux voies, et de créer effectivement tous ces espaces verts avec des fonctionnalités, typiquement ici vous voyez les vélos.
Donc, on a créé effectivement avec Ilex des sols simples et unitaires. L'architecture de l'espace est structurée par le végétal. Il est ponctué de salons, de kiosques, comme vous avez pu le voir récemment encore dans la presse. Et là aussi, de nombreuses terrasses. Il est porté bien évidemment essentiellement par une volonté politique. Et ça concrétise à la fois un double enjeu, on va dire. C'est une mise en perspective visuelle et visionnaire dans laquelle le véritable prestige passe par la reconquête en fait volontaire et multifactorielle de cet espace public. Donc pour la petite histoire, nous n'étions pas sur les études de cette allée de Neuilly, mais du coup on nous a demandé de suivre l'intégralité des travaux qui pèsent à peu près 40 millions d'euros à ce jour. Donc là aussi, on est dans le détail, on est entre le végétal et le minéral, avec un certain nombre de placettes qui sont réalisées de ce type. Un grand nom aussi que vous connaissez certainement quasiment tous, ou en tout cas, je l'espère, c'est Thierry Laverne. Une autre figure engagée du paysage. Avec lui, on a réalisé notamment... ce bel espace qui fait un peu plus de 40 hectares, qui est les anciens terrains Renault de Boulogne-Billancourt. Alors dans cette aventure, bien évidemment, on était aussi avec l'agence de Patrick Chavannes, qui était sur l'aspect plutôt urbain. On a réalisé quasiment la totalité de ce que vous pouvez voir dans le périmètre rouge, en dehors de l'île Seguin qui a été traitée différemment et du grand parc qui a été réalisé, il me semble, par terre. Voilà. J'ai la confirmation dans la salle, c'est bon. aménagement qui là aussi dure. C'est peut-être aussi une de nos marques de fabrique, c'est de pouvoir réaliser des projets qui sont là aussi dans le temps. Et on en parlait tout à l'heure très brièvement avant la présentation. Je pense qu'il faut qu'on ait cette ambition là aussi de pouvoir aller au-delà de la temporalité, notamment des mandats. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à se questionner ensemble. C'est comment on porte des projets de longue haleine sur des temps longs, avec parfois maintenant des contractualisations qui sont un petit peu différentes, avec des modes d'accord cadre par exemple. Et cette temporalité, il faut qu'on la tienne. Parce que bien évidemment, il y a des intentions politiques et il y a de la communication politique. Donc on est tout à fait favorable à pouvoir réétudier les choses avec le futur élu, si jamais effectivement il y a des changements politiques. Mais là aussi, c'est de pouvoir tenir des intentions. On n'est pas là pour faire un patchwork de paysagistes ou d'architectes qui viennent mettre leur touche dans une situation... mais bien de créer une cohérence dans la ville et d'avoir cette continuité-là. Et je pense que cette temporalité, elle est importante aujourd'hui de pouvoir la questionner ensemble et de pouvoir la porter ensemble. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur les ambitions qu'on peut porter ensemble et puis nos défis d'aujourd'hui et de demain. Mais pour moi, ça fait partie effectivement de ces défis-là, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et notamment aller dans la durée vis-à-vis de ces transformations de ville. Une image là aussi de ce que ça peut donner en travaux, parce que sur ces grandes reconversions, y a des fois où il y a énormément de démolitions, on ne sait pas bien forcément où on va, sauf que le dessin nous guide, et quand on voit ces grands réaménagements-là, on se dit « waouh, comment font les gens pour y vivre à côté ?» Et j'espère qu'ils là aussi ils n'ont pas acheté pour les quelques années des chantiers, mais bien pour l'avenir. Donc c'est important là aussi de se rendre compte de l'échelle et de l'ampleur des remaniements que nous avons réalisés à vos côtés. Pour la petite histoire, hein, du coup nous on appelle ça le trapèze de Boulogne. C'est un quartier qui est effectivement là aussi diversifié, qui est vivant. Maintenant, c'est un peu plus de 15 000 habitants, un peu plus de 12 000 salariés, plus de 70 commerces en pied d'immeuble et 14 équipements publics. Donc en fait, pour moi, c'est une vraie ville dans la ville. Et il y a plein de petites communes de France qui ne sont pas effectivement avec ces chiffres-là. Donc c'est là aussi assez remarquable de pouvoir agir dans des villes pour créer des nouveaux quartiers.
une vue de dessus, parce que ce qui nous paraît important et ce qu'on peut regarder un peu dans le détail ici, c'est qu'une des intentions, c'était de pouvoir éviter d'avoir une dissociation entre l'espace public et l'espace privé. Chose qui a peut-être un peu changé de nos jours, ou en tout cas aujourd'hui si vous vous y promenez à nouveau. Mais c'est de pouvoir traverser ces îlots sans avoir l'impression de rentrer dans un îlot privé. Donc là aussi, notamment tout ce qui était gestion des eaux, on récupérait les eaux issues du monde privé pour pouvoir les réinjecter dans l'espace public. Élément très ambitieux, parce que là aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est très lié à l'entretien qu'on peut en faire. Et donc, on a connu là aussi quelques dysfonctionnements parfois. Donc, on nous appelait en nous disant, il y a des moustiques, c'est pas possible. Comment vous avez mené votre conception? Et en fait, en creusant un peu la situation, c'est tout simplement qu'il y avait un défaut d'entretien en fait sur les éléments de gestion pluviale au niveau des espaces privés, avec de la stagnation d'eau et du coup, effectivement, de la prolifération de moustiques. Donc là aussi, quand on mène ces projets, ce qui est important, c'est de comprendre la durabilité de ces éléments et puis aussi de pouvoir y revenir. Et ça, nos missions aujourd'hui de maîtrise d'œuvre ne le prennent pas forcément en compte. Et je pense que là aussi, il y a des sujets à voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on réintervient ensemble, comment est-ce qu'on est missionné ensemble pour pouvoir s'assurer que ce qu'on avait imaginé fonctionne ou pas. Parce qu'il y a des fois où on fait des protos et que un proto, ça peut dire un peu différemment de choses qu'on a l'habitude de faire tout au quotidien. On a besoin, nous, en tant qu'ingénieurs, mais vous aussi, je pense, d'avoir ce retour d'expérience et puis de pouvoir adapter, si c'est nécessaire, à l'usage, à l'entretien et puis à la conception pour faire mieux la prochaine fois. Donc, allez vous y balader. Normalement, toutes les grilles sont ouvertes dans la journée. Je crois que depuis, les syndics de copropriété, notamment, ont un peu changé de leur fonctionnement. Mais normalement, elles sont toutes ouvertes et du coup, on n'a pas vraiment l'impression de rentrer dans ces espaces privés, même si depuis, il y a eu quelques portillons et portiques qui ont été mis en place. Donc là, un exemple de ce qu'on fait sur la gestion des eaux. Les espaces privés. Et puis, là, un petit clin d'œil, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'agence Laverne, mais on est juste à côté de son agence. Donc, il avait peut-être envie de refaire un espace public et une place très accueillante, juste à côté de son agence. Là aussi, on a le souci du détail, on a gardé des arbres remarquables, on a des éléments de détail avec à la fois de la pierre de soupe et un gros travail pour travailler avec de la pierre française et puis du corten et de l'eau. Donc il y a des fois où effectivement on a de grands brainstorming et de grands tests avec du prototype pour pouvoir réaliser ces éléments-là. Et là aussi, pour pouvoir s'assurer que ça vieillit correctement et qu'on n'aura pas un jour ou l'autre des traces de corten, par exemple, sur la pierre, ou qu'on ait des traces de rouille qui viennent dans le bassin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je passe assez rapidement parce qu'effectivement, le temps avance aussi. Un grand nom, Pascal, avec qui j'étais encore en réunion cette semaine, notamment pour ces beaux aménagements qu'on a réalisés, notamment sur Maillorizon Nord à Noisy-le-Grand. Donc ça, c'est un des premiers éléments du parc. Et puis, on en a la chance de continuer à travailler avec la ville et avec la Socarène sur ces beaux espaces, avec les éléments de Baer et de Clos-Biche auparavant. Donc là aussi, on est sur des aménagements qui ont connu, du coup, on a remporté en fait ce marché en 2012 avec l'agence Hill. Et puis, on a des grands équipements publics, donc notamment le Collège international et le lycée international, qui amènent là aussi à la fois des grands enjeux pour la ville. Et puis, notre rôle à nous, c'était de pouvoir recréer des espaces où les gens se sentent bien. On a des grandes vues aussi, telles que vous allez pouvoir le voir sur les photos suivantes. Et puis des fonctions, des fonctionnalités avec des jeux, mais des espaces ouverts, là aussi sur la ville.
On n'a pas travaillé qu'avec des plus anciens, on a travaillé aussi avec des plus jeunes et on a le souhait de continuer à travailler là aussi avec tout type d'agences, donc des plus petits, des plus grands et ainsi de suite. Donc maintenant, quand nous on les a connus, ils faisaient partie des petits. Maintenant, je pense qu'ils font partie des plus gros. Et on a eu la chance effectivement de voir leur évolution. Bien évidemment, c'est l'agence base, Franck Poirier et Bertrand Vignal. Je pense que vous les connaissez à peu près tous ici. Et on va vous présenter juste après un de leurs premiers projets, ou en tout cas un des premiers gros projets qu'ils ont pu réaliser. Et on est très heureux de l'avoir fait avec eux. D'une certaine manière, on a peut-être été leur caution sur cette opération-là. Mais je leur demanderai confirmation, comme ça on pourra effectivement dire les choses vraiment. Donc c'est le projet d'EANA. Qui se situe à Lillebonne. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, ce projet-là, mais si vous avez l'occasion de passer dans la région, n'hésitez pas à vous y balader, parce qu'on y retrouve un certain nombre d'origines de leur signature, donc à la fois la présence de l'eau, la présence d'objets un peu spéciaux ou spécifiques ou uniques. Et pour la petite histoire, c'est le jardin dit des brouillards. Et je me souviens la première fois que, quand ils m'ont expliqué leurs intentions de créer un jardin de brouillard, je me suis bien posé la question et je me suis demandé qu'est-ce qu'ils voulaient raconter là-dedans. Et en fait, là aussi, ce partenariat, c'est comprendre les choses et c'est faire des recherches. Et un jour, je tombe en faisant des recherches sur Internet, je tombe sur tous les attrape-brouillards qu'on peut connaître en fait dans le désert d'Atacama au Chili. Je ne sais pas si vous connaissez ces structures, en fait, c'est des structures qui sont faites pour récupérer les brouillards et la brume, pour pouvoir récupérer du coup ces eaux qui sont si importantes et qu'on n'a pas souvent du coup là-bas, parce qu'il y pleut très, très peu souvent. Et en fait, du coup, on en arrive à créer une structure avec des filets qui viennent faire ruisseler, perler cette eau. Et puis, du coup, ça donne quelque chose de cohérent. Et on a l'impression de comprendre, en fait, quand on est dans cet échange et dans ce partenariat. Là aussi, un des éléments signature que vous allez revoir et que vous voyez certainement dans les éléments de l'agence base, c'est des grandes structures de ce type, bien souvent en bois. Et là aussi, ce sont des grands moments de réflexion. On n'est pas dans le catalogue, on ne sait pas effectivement comment on va faire ça, mais c'est ça aussi qui est sympa avec vous, paysagistes, c'est de se remettre en question et puis c'est d'aller un petit peu plus loin. On en parlait tout à l'heure, on n'a pas forcément l'impression que c'est de l'innovation, mais en fait, ça l'est un peu, puisque ce sont des pièces uniques, et là aussi, ça fait partie de leurs éléments signature. Une belle abbaye quand même cistercienne, là aussi, et c'est ça aussi le paysage, c'est de pouvoir composer avec à la fois des éléments qui sont très contemporains, et tout l'existant en fait du site, et là aussi de pouvoir accepter d'intégrer et de pouvoir du coup magnifier ces endroits qui vivent bien ensemble en fait. Et c'est ça qui est aussi très important, on s'y sent bien. Moi la question que je me pose c'est parfois jusqu'où ils vont aller. Donc je ne sais pas si vous connaissez le parc Blandan du coup à Lyon. Jusqu'où ils vont aller un peu dans leur folie justement des grandeurs, puisque on a réalisé avec eux, co-construit et réalisé avec eux ces grands ensembles. Là aussi, on n'est plus du tout dans le catalogue. On est effectivement dans des choses qui sont assez extraordinaires et où nous, en tant que bureau d'études, on se pose plein de questions. Ce que je trouve remarquable là aussi, c'est qu'on a le souci du détail, même si l'œuvre, entre guillemets, est assez monumentale. Mais c'est pas parce qu'on approche très près qu'on voit effectivement des défauts. Et puis là aussi, on a tous les aspects de sécurité, puisqu'on est sur des jeux d'enfants. Donc bien évidemment qu'on passe par les commissions et ainsi de suite pour pouvoir faire accepter à toutes ces son environnement réglementaire, parfois un peu, voire très contraignant, que tout cela est possible. Alors là aussi, je vais faire un peu de teasing, mais on a la chance d'avoir été rappelé par base pour pouvoir travailler sur Confluence. Et là, je vous donne aujourd'hui le dessin vu de l'ingénieur de ce qu'on appelle le Caterpillow, qui est un jeu en fait qui va être construit sur Confluence 2.
peux vous dire qu'une chose, c'est qu'il sera réalisé prochainement, que bien évidemment, je ne vous ai pas mis la perspective pour vous laisser imaginer ce que ça pourra devenir, mais ça va être assez monumental. Et si vous avez l'occasion de passer dans quelques mois à Lyon, bah, ça sera en construction. Et je pense que là aussi, les enfants vont pouvoir s'éclater sur une structure qu'on n'a nulle part ailleurs. Et quand on crée avec vous des choses comme ça, bah, on a l'impression d'être un peu comme sur l'île de Nantes, avec bah, les grands animaux que j'ai eu la chance d'aller voir récemment. Et on se dit, bah, ouais, on fait de l'unique et on fait du sur-mesure. Un de mes souhaits pour aller vers la fin de cette présentation, c'est de pouvoir aussi là se dire qu'on va avoir des défis à relever ensemble. La transition qu'on a entre les architectes au début d'OGI et les paysagistes de plus en plus dans les villes, bah, c'est aussi créer avec toutes ces contraintes et toute cette technicité dont on a besoin pour pouvoir ramener le paysage dans des milieux qui sont extrêmement contraints. Et là, on est sur la dalle de la défense. Sujet, là aussi, on n'a pas forcément été au niveau de la conception, mais sur lequel on est au niveau du suivi de travaux pour pouvoir assister et finaliser, on va dire, toute cette technicité. Vous la connaissez, la place de la Défense, très minérale à la base. Là aussi, on est obligé d'aller sur des techniques très particulières avec à la fois du renforcement plaque carbone, puisqu'en dessous on a des dalles et que parfois, côté génie civil et structurel, on est obligé de justifier des nouvelles notes de calcul qui ont changé depuis que ces éléments-là ont été réalisés. Donc on fait du renforcement par le dessous et puis on allège en fait la structure par le dessus avec notamment ces grandes structures, bien souvent en polystyrène, qui sont très compressées, qui permettent d'alléger pour partie effectivement sur quelques centimètres, mais là aussi pour pouvoir en fait se substituer et venir avec des éléments de végétaux. Donc on va le voir sur la slide d'après. L'ambition, c'est de retrouver du vert sur un espace qui à la base était extrêmement minéral, mais comment est-ce qu'on fait avec les contraintes de portance des existants et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer suffisamment d'épaisseur dans la dalle pour pouvoir planter et parfois de grands sujets. Là aussi, on va passer rapidement avec l'agence Terre. L'idée, c'était pas de continuer ce grand catalogue de projets qu'on a pu bâtir avec vous, mais plutôt de se donner nos nouvelles ambitions, nos nouveaux objectifs et d'une certaine manière, comment on devra réfléchir ensemble les éléments de demain. Et donc, même si on n'y a pas beaucoup participé, je voulais parler de cette intention. Donc, on travaille en ce moment sur le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin avec l'agence Terre, qui est un ANRU et qui est effectivement un énorme sujet. Mais ce qui, moi, m'a touché particulièrement en ce moment sur ce projet-là, c'est un élément de détail. C'est de créer du verre dans l'espace et de pouvoir le réutiliser sur site. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de mettre en place une pépinière qui va nécessiter effectivement quelques travaux, mais plutôt que de faire venir de très loin parfois des sujets en France, c'est de pouvoir les faire pousser à proximité de nos futurs chantiers et de pouvoir les réimplanter directement sur site. Donc là aussi, c'est une pépinière qui va nouer nos enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est à la fois du verre, mais également de l'insertion sociale. Et ça, pour effectivement pouvoir faire pousser, pour pouvoir gérer ces pépinières-là, bah, quoi de mieux que de pouvoir utiliser l'insertion dans tous ces éléments-là. Donc, sujet particulier qui, aujourd'hui, est de grande importance pour nous. Donc, pour parler de 2-3 chiffres, c'est une pépinière de grosso modo 2 500 m² qui va être réalisée. Un investissement de 260 000 euros à peu près pour pouvoir faire grandir ces végétaux dans leur futur quartier et là aussi limiter l'impact carbone qu'on pourra avoir vis-à-vis des transports. Un grand nom dont on n'avait pas encore parlé qui est Michel Desvignes. On a la chance juste à côté d'avoir le bâtiment et ses aménagements au niveau de Morlan. Donc ça c'est le Morlan Mixité. On a accompagné Michel notamment sur toutes ces compositions de structures de sol en allégé, parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, on a aussi un spa.
et que le défi qu'il fallait relever ensemble, c'était de pouvoir mettre des végétaux au-dessus, alors qu'on avait notamment des sorties d'aération issues du spa. Donc double problématique, le poids bien évidemment. Donc là on est sur des compositions avec des mélanges de pouzzolane, de pierre ponce ou de vermiculite pour ceux qui connaissent. Et on atteint du coup des mélanges humides avec une densité à peu près moyenne d'environ une tonne au mètre cube, donc ce qui est effectivement assez faible quand on le compare avec des structures dites un peu plus normales. Là aussi, des techniques un peu particulières pour pouvoir ancrer les mottes et faire tenir ces arbres qui tiennent dans parfois pas grand-chose d'une certaine manière. Cet enjeu de pouvoir là aussi accompagner dans le choix des végétaux parce qu'on a des contraintes particulières avec ce spa et potentiellement du coup de l'air chloré qui sort avec une ventilation et du coup des surfaces de passage de l'air qui parfois sont un peu réduites. Donc cette intégration nous a fait réfléchir et je pense que c'est ça aussi, c'est plus on a de contraintes, d'une certaine manière, meilleur on doit être à vos côtés pour pouvoir activer tous nos neurones et faire en sorte que le projet soit réalisable. Là aussi, je ne pouvais pas ne pas parler de Monaco parce qu'en termes de contraintes, on est là aussi dans de l'hyper contraint et on a eu la chance de travailler sur ce beau sujet avec Michel. Je passe très rapidement, mais là aussi, c'est une somme de petits éléments qui font que quand on assemble tout ça, on arrive à faire des choses assez remarquables. Le dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est que, et au travers du projet qu'on a eu avec Emmanuel Jalbert à Kiev, en Ukraine, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'aller à l'extérieur. Et pas uniquement les paysagistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est fort parce qu'effectivement, on est ensemble. Le travail qu'on a réalisé avec Emmanuel, c'était effectivement un travail qu'on lui a laissé, c'est-à-dire la conception et son élément de concepteur de paysage. Mais c'était de pouvoir l'accompagner dans la gestion du projet et dans la gestion technique et contractuelle de ces éléments-là. Donc travail tout en anglais et ainsi de suite, voire même en live ukrainien, anglais, français. J'espère seulement qu'effectivement ce joli paysage que vous allez voir juste dans les photos d'après ne ressemble pas aujourd'hui à ça avec le conflit actuel et qu'on pourra retrouver effectivement là aussi une capacité des usagers et des citoyens ukrainiens à pouvoir réutiliser ces espaces-là. Et si jamais, effectivement, il y a des choses encore à faire, puisqu'on est encore en contact avec les gens qui ont mené le projet là-bas, on y retournera volontiers, parce que là aussi, on a des engagements vis-à-vis de ces projets, et qu'on ne peut pas laisser les choses en tant que telles. Donc, on a récupéré une usine de chocolat, entre guillemets. C'était un peu Charlie et la chocolaterie. On a récupéré cette usine quasiment en fonctionnement à moitié et on nous a demandé de relever un défi, c'est de créer un musée du chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un musée du chocolat? Ça devient ça, c'est effectivement un endroit où on accueille les gens, mais c'est un endroit où aussi on a des extérieurs qui sont généreux et on peut là aussi transformer la ville. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Kiev, en fait, il n'existe qu'un grand parc. Et sinon, ce ne sont que des squares de quartier. Donc, on a créé à la fois une grande zone qui nous permet d'accueillir une des plus grandes patinoires l'hiver qu'on vient monter et démonter. Là aussi, avec une dimension sociale, puisqu'il y a des efforts particuliers qui ont été faits pour que les gens puissent accéder à la location de patins qui est là-bas, effectivement, très courue. Et puis, l'été, puisqu'il y fait très chaud aussi, c'est de pouvoir mettre en place ce grand bassin miroir avec des jets d'eau et de la brumisation, là aussi, pour pouvoir trouver de nouvelles fonctionnalités. Donc, on dit que c'est une des plus grandes fontaines d'Ukraine. Et là aussi, on espère qu'elle pourra continuer à fonctionner après le conflit. On en a fini avec cette présentation.
on tenait à vous remercier, dans un premier temps, remercier les collaborateurs d'OGI, parce qu'en fait, on est deux représentants aujourd'hui ici présents, mais aujourd'hui, c'est un peu plus de 70 collaborateurs, 4 agences. On pourrait là aussi en parler pendant des heures, mais on tenait vraiment à leur dire qu'on était fiers, parce que bah, sans eux, en fait, tous ces projets-là ne sont pas possibles. Bien évidemment, sans vous non plus, les paysagistes qui ont été cités ou ceux qui n'ont pas été cités dans notre travail commun, on n'aurait pas pu faire toutes ces belles choses. Et cet échange est toujours aussi passionnant pour moi, donc il faut continuer cet échange. Et puis, un grand merci à la salle aussi de nous avoir écoutés, mais également à tous les gens qui nous verront sur les vidéos. À la Fédération française du paysage, bien évidemment, à toi Béatrice, à Laurent, comme tu le rappelais tout à l'heure, à Adrien, qui est aussi, je pense, dans la salle, que je ne vois pas. Et puis, on a encore plein de défis ensemble à relever pour de nombreuses années. Donc, discutons-en. Je pense que dans cet échange, on peut être qu'intéressé. Voilà. Quand même rappeler qu'on parlait de paysage aujourd'hui et qu'on n'a pas oublié nos amis architectes urbanistes, mais comme le sujet était le paysage, donc on n'a pas insisté, hormis sur Bernard, sur les paysages et sur Muriel qui est présente. Mais bien évidemment, si on avait l'occasion, ce serait de parler aussi de tous nos confrères architectes et urbanistes, ce serait un grand plaisir de faire la même chose et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on les a oubliés dans nos aménagements. Oui, bien sûr. Et justement, merci pour cette conférence. On se rend compte à travers l'histoire de votre structure que c'est aussi l'histoire de la fabrique des espaces publics. Et justement, moi, je voulais te remercier de nous avoir parlé de Bernard Huette parce que c'est une figure importante aussi pour cette fabrique des espaces publics qui nous intéresse, nous, les concepteurs en général, que ce soit effectivement paysagiste ou architecte ou urbaniste. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers les projets que vous nous avez montrés, l'accès à cette commande qui, dans les années 90, était d'un coup quelque chose de très important. Et puis là, il y a eu conjoncture des planètes avec les Champs-Élysées, peut-être la confiance aussi de la ville de Paris avec toi, et puis qui était ancien de la ville de Paris. Et puis de confier une maîtrise d'œuvre comme ça externe, c'était un peu nouveau. Et donc vous étiez un peu pionnier aussi sur ces aménagements, donc c'est très intéressant de voir ça. Et puis on voit aussi à travers votre conférence les différentes échelles qui nous sont données petit à petit dans l'espace public. Donc il y a eu un moment plein de parcs, et puis maintenant on est sur des grandes zacs. Et on voit aussi du coup les apports qu'il y a eu avec les concepteurs. Et c'est intéressant d'entendre de votre part ce terme de malice. J'ai retenu la malice de Jacqueline Osti, mais vous en avez cité d'autres et vous pourriez le faire pour chacun. Les pièces uniques de l'agence base, donc tout ça c'est intéressant, ça nous fait avancer aussi collectivement. Et donc simplement, j'avais envie de vous demander de nous donner un peu par rapport aux enjeux, puisque toi tu as beaucoup bossé aussi sur la fontainerie, tu as lancé ça dans la structure, dans la boîte, et on a ce sujet baignade dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, il faut un peu défendre ces sujets-là. Le réemploi que vous avez travaillé aussi à Bastille avec vous, les équipes, on a fait une expérience de paysage pour raconter aussi ce travail-là. Et donc, comment vous expérimentez tout ça, et puis quels conseils vous donnez tous les deux aux professionnels, aux paysagistes, pour la suite. Vaste question, Béatrice, tu commences. Conseil, je ne sais pas si je peux encore donner des conseils à mon âge, mais... Si, tu en as donné un très bon la dernière fois, c'était oui. N'hésitez pas à prendre un stylo avant de commencer à tapoter sur votre clavier. Tout à fait, c'est vrai. Tout à l'heure, c'est tellement important. Je reste parmi les gens qui ont assisté à des grandes opérations avec des grands noms, persuadé que le crayon, c'est très bien.
Et donc, il ne faut pas que, entre autres, les jeunes générations d'architectes, d'urbanistes ou de paysagistes ne fassent que référence à leurs ordinateurs aux 300 versions de plans qui peuvent sortir avec un ordinateur, puisqu'il suffit de changer un petit détail et on a un nouveau plan, qui se rappelle que les anciens ont fait des très belles choses depuis largement les Romains en faisant des plans à la main, mais ils n'en faisaient pas 300 exemplaires. Donc je crois qu'il faut être simple et travailler en coopération architectes, urbanistes, paysagistes et bureaux d'études qui veulent bien faire, mais c'est notre cas en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos collaborateurs, c'est de travailler ensemble dès le départ pour que tout le monde soit bien conscient des sujets qu'on va aborder, des difficultés des uns et des autres, et surtout qu'ils fassent aussi rêver les ingénieurs, puisque c'est si dès le départ on rêve tous ensemble d'un beau projet, je pense que à nous après de pouvoir les mettre en musique et de chercher un peu, creuser les ménages pour arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Donc il y a ça, et puis surtout, bon, je pense que c'est le respect des uns et des autres, c'est-à-dire que, je le dis souvent, je regrette, et là je vais faire rouler peut-être certains, mais ils ne sont pas là mes confrères, mais que certains bureaux d'études aient embauché des paysagistes, des urbanistes et autres. Nous, on est vraiment une société, et j'espère que Julien le gardera, on n'a que des ingénieurs et des techniciens. On ne fait pas concurrence à nos confrères. Je n'ai jamais voulu le faire. J'espère que Julien continuera dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler ensemble, mais on n'est pas là pour prendre la place des autres. Et d'abord parce qu'on n'a pas la même culture au démarrage, même si j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Michel et comme Bernard, mais c'est là aussi tout l'intérêt de notre vie, c'était de pouvoir progresser, de s'améliorer, de faire de très belles choses ensemble, découvrir plein de choses ensemble, tout au long de notre vie active, voire même après. Je continue encore, même en étant à la retraite, mais au moins qu'il y ait vraiment deux éléments différents. On est là pour apporter de l'ingéniosité dans les projets. Je ne dis pas que nos confrères n'en aient pas, mais on doit apporter, et on fait des études pour ça, qu'en général, nos confrères n'ont pas fait, mais ils en ont fait de très belles que nous, on n'a pas fait, donc chacun dans son domaine. Et je pense que c'est la complémentarité des uns et des autres qui fait qu'on fait des beaux projets. Et non pas, je répète, et je regrette aussi d'ailleurs que certains architectes, urbanistes, maintenant embauchent des ingénieurs. Alors c'est vrai que ça se fait dans certains pays, comme en Allemagne et autres, où il y a des agences qui sont toutes... Mais c'est pas l'origine de la France, et je pense que c'est très bien de pouvoir avoir chacun sa complémentarité, ses spécificités, plutôt que de les amalgamer dans de très grosses sociétés. Non, mais je te confirme, et c'est effectivement l'objet aussi de cette présentation, c'est de se dire continuons à discuter ensemble. Et ça, je pense que c'est très important parce que on a de plus en plus de techniques. Alors, bien évidemment, on laissera, et je te confirme, le paysage au concepteur. Pour autant, il y a de plus en plus... Juste un mot. Là, j'ai toujours trouvé un petit peu difficile pour mes collaborateurs le mot de concepteur. Parce que c'est vrai, vu l'énergie des fois que les ingénieurs dépensent à concevoir des choses inimaginables, je ne reprendrai même pas les éléments de base, mais c'est vrai que pendant 30 ans, on a inventé des choses pour que le projet soit bien fait. Donc le mot de concepteur, des fois, me gêne un peu. On est aussi des concepteurs, mais chacun dans son domaine, et non pas... Et je n'ai pas du tout l'idée qu'on puisse remplacer un paysagiste ou un urbaniste ou un architecte. Chacun ses domaines. On fait aussi un peu de la conception. Donc c'est l'ingénieur concepteur. Exactement. Très bien. Donc c'est de continuer effectivement à échanger et puis discuter. Bien souvent, on le remarque, on est quasiment le premier regard posé sur votre coup de crayon. Et certainement, parfois, la première compréhension ou savoir, donc s'assurer que la compréhension de vos intentions, effectivement, devient une réalité au travers de ce que vous avez pu dessiner.
Et ça, je pense que c'est effectivement très important pour nous de continuer à être dans cet échange. Parce que là aussi, par nos expériences, par nos savoir-faire, on sait que de temps en temps, on l'a fait à Lille, mais on essaie de le répliquer à Marseille ou autre. Bah, c'est important aussi qu'on puisse échanger de ces expériences et pouvoir grandir ensemble. Voilà, on continue. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions ou des remarques ? On les a saoulés, on les a abrutis d'informations. Non, personne ? Allez. Micro. Bonjour. On parle beaucoup de plantes, de pierres, hein, si on dit minéral. Est-ce que paysagiste, architecte, ingénieur, concepteur, vous pensez à la faune ? À la faune, est-ce qu'il y a des cahiers des charges précis sur la faune dans une ville quand on fait un chantier ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Clichy-Batignolles, il y a des renards, il y a des... Il y a des poissons maintenant dans les plans d'eau. Non, bien sûr, oui. On a de plus en plus effectivement de prise en compte de tous les éléments environnementaux et la faune et la flore existantes sont systématiquement répertoriées pour qu'on puisse les intégrer. Là aussi, on a de plus en plus effectivement de mise en place d'environnement, voire même d'objets pour accueillir. Spécifiquement la faune existante. Donc oui, on la prend en compte. Après, c'est vrai que je pense qu'on est parfois, et on doit même être un peu plus ambitieux que ce qu'on nous met dans notre cahier des charges et dans notre programme. Donc à nous aujourd'hui, à d'une certaine manière élever le niveau, à être plus ambitieux, à aller chercher effectivement des intentions plus fortes, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans notre quotidien, l'environnement est partout. Donc on n'est pas là pour faire du greenwashing, mais on est là pour faire du très pragmatique. Et je pense que ça, c'est effectivement très important. Donc typiquement, pour revenir sur tous les éléments environnementaux, oui, la gestion des déchets, la gestion de tri lors des éléments de démolition ou de la réutilisation est effectivement très important pour nous. Mais bien évidemment, tout le contexte existant ou futur, parce que là aussi, on voit que les plans changent, que les plantes méridionales remontent effectivement vers nos contrées, qu'on voit, et Michel le dit très volontiers, Michel Pena le dit très volontiers avec son institut, qu'il faut là aussi étudier et mettre en place des expériences sur des nouvelles plantes ou des plantes qui viennent se traduire plus longuement chez nous. Mais bien évidemment, là aussi, la faune change et on doit s'adapter, on doit pouvoir s'adapter à toutes ces contraintes. Alors, prise de parole. Bonjour. Ma question, c'était simplement une question d'échelle. Je suis designer urbain depuis 30 ans à peu près et j'ai beaucoup appris en travaillant à la fois... tout ce que j'ai réalisé avec des paysagistes, puisqu'en fait, je travaille la plupart du temps du projet au produit et inversement du produit au projet. C'est une échelle qui est passionnante parce que justement, nous avons les mêmes contraintes, mais simplement pas à la même échelle. Et nous avons un rapport complètement direct la plupart du temps avec l'utilisateur qui va toucher nos objets, qui va sentir l'aspect sensoriel, qui va sentir aussi le service qui est apporté et surtout toute la durabilité qu'on va mettre chacun dans notre métier. Donc je voulais insister pour dire que c'est une échelle qui pour nous est très très intéressante. On a eu beaucoup de mal à la mettre en place pour ne pas être catalogue. Et pouvoir dire que justement, au contraire, on faisait un très gros travail pour positivement, dans certains cas, préformer certaines solutions,
mais ce qui ne nuit pas à des solutions uniques, bien entendu, puisqu'en fait, moi, je travaille toujours sur l'un ou l'autre. Quand je travaille avec le service des eaux à Paris, ça fait 20 ans qu'on a mis en place des choses très importantes et qui, évidemment, à chaque fois, tiennent compte de la maintenance, de la manière dont on va s'en servir et de toutes les contraintes immenses qu'on a dans les espaces publics qui nous font avancer. Parce qu'on est des drôles d'animaux, ceux qui s'intéressent à l'espace public, c'est qu'on aime bien les contraintes et que ça nous motive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cécile Planchet, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci. Bonjour. Comme j'espère tout le monde ici, j'ai beaucoup apprécié cette conférence. Vous avez présenté, juste après la pipe de Magritte, deux photos qui ont marqué dessus-dessous. Il en manque une troisième, mais la troisième, elle est difficile à prendre parce que c'est la terre végétale. Ça serait un grand noir. La question que je voulais vous poser, c'est qu'actuellement, le sous-sol est le lieu d'un conflit, de conflits divers très importants. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, on va pouvoir faire évoluer un certain nombre de choses, de normes, de logiques, de façons de conduire les réseaux pour qu'on puisse dégager un peu plus de place pour ce qui permet à l'arbre de pousser le sous-sol, ses racines? Très vaste sujet. Alors, depuis quelque temps, on a de plus en plus effectivement de techniques qui viennent essayer de réduire cet espace entre le vert, la trame brune, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui, effectivement, que la continuité de la trame brune. On a beaucoup parlé de la trame bleue, mais effectivement, la trame brune était effectivement extrêmement importante pour tout le vivant dans la ville. On a essayé de limiter ou de réduire cet espace qui, aujourd'hui, est défini par des normes. Donc là aussi, il va falloir qu'on travaille et qu'on fasse beaucoup de lobbying dans une situation normée. Oui, alors il y a plein de techniques qui existent. On utilise parfois des coques, on utilise effectivement un certain nombre de protections, là aussi pour le système racinaire, pour permettre à certains arbres de partir plus tôt que d'être traçants et ainsi de suite, et d'être parfois trop en surface, là aussi qui génère un certain nombre de désordres sur les bitumes, sur les revêtements extérieurs. Donc on essaye parfois de contraindre malgré tout dans les deux sens, à la fois les réseaux et le vert et le vivant. Donc je pense que oui, ça c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, nous on était très étonnés puisque on a participé là aussi à des questions avec la ville de Vincennes par exemple sur comment on fait pour maintenir les existants, travailler sur le sujet spécifique, aller en complément en fait d'un diagnostic phyto des espaces plantés, et c'est de se dire comment on fait pour justement identifier le système racinaire, jusqu'où il va, comment il est constitué, arbre par arbre. Et là aussi, je m'étonne en tant que scientifique parfois de ne pas avoir toutes ces réponses qui pour moi sont tellement naturel d'une certaine manière, qu'on n'ait pas déjà des instruments qui soient en capacité d'aller faire du scan 3D par exemple de tout ça. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Comment ça va évoluer? Je pense que là aussi il y a une grande question en France, c'est les concessionnaires et l'agissement des concessionnaires. Bon, il fallait l'orienter alors, allez-y. non, bien sûr, mais là il y a aussi énormément de questions. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité de faire du BIM? Quand on est dans l'espace public, c'est pour moi essentiel. C'est qu'on a tellement d'acteurs et d'intervenants dans l'espace public qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler sur un cahier des charges avec une réglementation et là aussi des codes, des vocabulaires qui soient communs. Participer là aussi à leur plan d'investissement, parce que quand on a du renforcement, par exemple, de concessionnaires, bien évidemment, on est parfois un peu le fait générateur. Mais on doit aussi tenir un peu avec eux leurs engagements et parfois aller jusqu'à définir des matériaux qui soient compatibles avec, pour limiter les rustines qu'on pourrait avoir dans l'avenir parce qu'un tel ou un tel est intervenu. Donc c'est tous ces sujets-là, d'un coup, c'est très vaste, mais c'est là aussi passionnant.
parce que justement, pour moi, c'est plein de questions et donc ça veut dire plein de réponses demain. Voilà. Très bien. Alors, on a une dernière question, puisqu'on a la chance dans cette salle d'avoir chaque samedi un peu des relais paysagistes qui viennent souvent, des fidèles. Je dirais, quand Charles Dard n'est pas là, Jacques Coulon est là, Patrick Écoutin. Et donc, Jacques, ton avis ? Bon, d'abord, on se connaît un peu. Tout à fait. On se connaît un peu, mais depuis une bonne quarantaine d'années, disons. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur l'ensemble de la présentation que vous avez faite, bon, qui montre la grande réussite de votre structure. Bon, depuis les premiers temps où je vous rencontrais à côté de la place de la Réunion, dans un deux pièces en étage, on voit que tout a bien marché. J'ai quand même des questions, des grandes et des petites. Bon, d'abord sur la dernière remarque d'Alain Devaux sur le rôle. Qu'est-ce que c'est que la conception ? Et le rôle de la conception et la division de travail entre un architecte, un concepteur. C'est une question qui est extrêmement délicate parce que je me réfère à une grande citation, à un moment très fort de lutte de l'architecture et de l'évolution des cabinets d'architecture dont Pouillon avait dit « on va droit à la catastrophe ». C'est le jour où les architectes ont abandonné l'ingénierie. En France, ça s'est fait dans les années 60, où tout d'un coup les architectes ont dit tout ça, c'est des problèmes techniques, on s'emmerde pas avec ça, on n'a plus d'ingénieurs, on prendra les trucs. Ce que n'ont pas fait les Anglais. Et on remarque effectivement le contrôle technique des architectes anglais est bien meilleur que le contrôle technique des architectes français. Ce qui pose un problème au bout d'un moment. Parce que moi, je pense que justement, il y a de la conception dans la technique. Et que si la technique n'est pas au moment de la conception, et qu'on dit « je dessine ça », ils vont se démerder pour que ça tienne debout. Ça ne marche pas, et en même temps, on perd une dimension très très forte. Donc ça, c'est une grande réflexion qu'on devrait avoir. Parce que dans le fond, l'évolution telle qu'elle est en route... Je suis d'accord, mais c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on travaille dès le départ, ensemble, et pas, que l'architecte, l'urbaniste ou le paysagiste fait son projet jusqu'à l'avant-projet, et après, c'est ce que je suis en train de dire, mais en même temps, ça posait aussi le problème de peut-être des cabinets d'ingénierie intégrés. On pourrait imaginer qu'on arrive avec des équipes constituées. Parce que moi, le danger que j'y vois aujourd'hui, il est de cette montée, en fait, qui fait que on a des problèmes de relations. On a bien vu pendant des années, un paysagiste, c'était quoi ? C'est quelqu'un qui accompagnait un architecte dans un projet. Point. Donc, à la fois, il le faisait, il proposait des choses, et puis en fait, c'est quand même l'architecte qui décidait. D'une certaine manière, le financement qui était sur le paysage, bah, s'il y avait des problèmes pour effectivement retravailler le bâtiment, bah, on piquait sur le financement du paysage. Bon, ça s'est un petit peu terminé. Moi, personnellement, j'avais réglé le problème en ne travaillant jamais avec des architectes. Comme ça, il n'y avait pas de problème de répartition. Voilà. Et quand je travaillais avec eux, c'est si j'étais mandataire. Donc ça, c'est des cas un peu particuliers, mais l'essentiel ne se faisait pas comme ça. Et on voit que l'évolution, elle est que les bureaux d'études, les très gros bureaux d'études, finissent par prendre une importance telle que l'architecte domine plus du tout sa conception. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on lui dit, écoutez, voilà, c'est comme ça qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que ce que vous proposez, c'est pas possible. Or, moi, comme disait un copain qui était d'ailleurs archi, si je paye un ingénieur, c'est pas pour qu'il me dise que ce que je veux faire, c'est pas possible. C'est pour qu'il trouve la solution pour que ce soit possible, qu'il y ait cet échange. Il est un peu de moins en moins possible, vu la puissance des bureaux d'études qui deviennent énormes. Et le troisième étage, qui est l'étage le plus dangereux, c'est que c'est les entreprises qui disent, écoutez, moi, les bureaux d'études, j'en ai pas vraiment besoin. Finalement, l'entreprise, elle a besoin ni des bureaux d'études, ni des concepteurs, ni des paysagers. Ils descendent, ils enveloppent tout ça, ils disent, donnez-moi tout ça, je vous fais du clé en main, je me démerde de tout. Et là, malheur pour le projet, on est bien d'accord. Or, c'est la voie qui est en train de se construire. C'est en train de se faire comme ça. Il y a déjà des constructeurs qui arrivent, qui vont donner du clé en main à une mairie, qui va être vachement contente parce qu'il n'y a rien à faire. Vous inquiétez pas, je m'occupe non seulement de la construction, mais aussi de l'urbanisme. Et puis de la sociologie du lieu. Dans le fond, on arrive quand même dans des systèmes qui sont terrifiants. Et cette concentration, pour moi, elle est à contrôler. Point final sur cette question. Autre petite remarque qui m'a un petit peu étonné. Ça, du coup... Je m'adresse à Julien. Quand il dit finalement, il y a des bassins en eau, et puis finalement, ils finissent en pot de fleurs. Finalement, les paysagistes sont contents parce qu'il y a des fleurs, mais finalement, pour le projet, c'est pas bon. Non. Aucun.
C'est une étrange idée d'imaginer que les paysagistes s'intéressent que aux fleurs. C'est pas vrai. Ça, c'est une idée un petit peu vieille. Tu mets ça de côté. Ce n'est pas le cas. Oui, mais tu mets ça de côté et tu fais plus ces remarques-là, parce que évidemment, c'est extrêmement désobligeant. Bon, non, on s'intéresse pas à ça et on est vraiment emmerdé. Non seulement emmerdé, mais enfin, moi personnellement, si je fais un bassin, il marche. Voilà. Ou autrement, je ne fais pas. C'était exactement ta remarque d'ailleurs. Mais on voit que c'est pour ça que je suis partagé. Alors là-dessus, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur l'éloge qui est fait de Bernard Huet, parce que honnêtement, j'ai trouvé que c'est un très mauvais constructeur. Et Stalingrad est une catastrophe. Et la question du bassin, elle est typique. C'était un bassin, mais finalement, ça ne marche pas, donc c'est une erreur. Et quand on y va, j'invite pas les gens à aller voir la sculpture qui est là-bas, parce qu'ils verront aussi que les bâtiments sont toujours entourés de barrières Heras, parce qu'en fait, il ne s'est pas construit. On a déjà refait les escaliers. J'arrête là-dessus. Mais c'est un coin, quand on y va, qui marche très mal. C'est la ville qui n'a pas su entretenir. Non, mais attendez, moi, j'ai construit les escaliers en pierre, on peut aller les visiter. 10 ans après, on ne les refait pas. Je suis désolé. Et à part ça, la structure générale, le projet général est mauvais. Bon, alors c'est une erreur que vous le présentiez, parce que si les gens vont voir, ils vont voir que c'est mauvais. On s'y balade, c'est la zone absolue, parce que c'est inentretenable aussi, parce que c'est mal fait. Non, c'est pas une autre question. Vous parliez des arbres. C'est pas des questions là, Jacques. Non, si, c'est une question. C'est des affirmations. Non, mais c'est des questions sur le mode. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Non, mais je suis d'autant plus à l'aise qu'on n'a pas fait Stalingrad. Hein, donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est pour ça. N'en parlez pas. Par ailleurs, l'histoire des arbres, qu'on laisse en place. Bon, moi, c'est une grande question. Pourquoi ? Parce que je rappelle sans arrêt cette phrase, pour un élu, une feuille, un électeur. Donc, quand on abat un arbre, c'est un problème. Ça s'appelle simplement une espèce de connivence actuelle, une démagogie généralisée. Les politiques, ils suivent ce qui se passe. C'est pas une réalité de leur sentiment. Tout d'un coup, les gens disaient « les arbres me font trop éternuer, abattez-les », ils les abattraient, ils s'en foutent de ça. Par contre, on passe son temps à tenir des arbres dans des situations où ils étaient, et, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ça coûte la peau des fesses quand même, ça. Et c'est une ânerie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des endroits où c'est facile de les conserver si on fait évoluer le projet pour. Je pense que sur les Champs-Élysées, c'était pas bien. Il aurait mieux valu tout virer, replanter des trucs frais qui s'adapteront bien, qui auraient, un peu contrairement à ce que vous avez dit, un volume de houppier plus fort aujourd'hui que n'en ont les vieux qui peinent. Ils peinent, les vieux. L'exemple qui est très significatif, si vous voulez aller le visiter, c'est celui de la Villette. À la Villette, il y a deux rangs de platanes autour de l'allée principale qui zigzagent dedans. Une des rangées, c'est les arbres qui étaient avant. Et ils avaient promis, on les déplante, on va les replanter, vous allez voir, c'est splendide. Et on les conserve. N'ayez pas peur. Puis, il n'y en avait pas tout à fait assez. Donc, il avait fallu en planter un rang de l'autre côté. À l'époque, je vous parle en francs, les arbres qui ont été déplantés, replantés, ça coûtait 4000 francs. Les arbres qui ont été mis en face, ça coûtait 400 francs. Aujourd'hui, ceux qui ont été plantés, évidemment, après, ils ont un tronc un peu moins gros, mais trois fois plus de feuilles que les autres. Ces réflexions-là, on doit les avoir. Il y a des endroits, il faut avoir le courage d'abattre. De toute façon, dans Paris, il faudrait, bon, je me bats beaucoup pour ça, il faudrait avoir le courage d'abattre. Parce que ce n'est pas le nombre d'arbres qui compte, c'est le nombre de feuilles. Et d'une certaine manière, les endroits où ils ne poussent pas, je parle sans arrêt du boulevard Saint-Germain, quand on passe derrière l'école de médecine, c'est complètement fou. Il y a des arbres, ils sont serrés, ils montent, puis ils ont quatre feuilles en haut. Non. Donc ça, ces questions-là, à mon avis, elles sont assez importantes. Autre remarque. Parce que c'est important... Mais ça, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème d'ingénieur ou de paysager. Ah, sauf qu'il faut le dire. Sauf qu'aucun concepteur n'a les couilles de dire « on va pas garder ces arbres, on va les abattre, parce que c'est une idiotie. » Beaucoup de concepteurs ont le courage de lire, mais c'est très politique. Mais ils se font virer. C'est très politique. Oui. Bien sûr. En l'espace de 4 ans, maintenant, tu ne peux plus toucher un arbre. On est d'accord. Mais nous, on ne se bat pas beaucoup pour ça. Non, j'entends pas parler beaucoup de ça, excusez-moi. Attendez, je finis, puis après, j'ai juste un autre petit truc, c'était
Tu disais finalement, on a un an de garantie d'entretien et de reprise. Mmh. Et finalement, nous, ça nous emmerde dans nos contrats. C'est pas ça qu'on a dit. Hein. J'ai dit qu'on intégrait dans notre dossier de consultation aux entreprises un an d'entretien, oui. Mais pas de GPA. Hein. C'est pas de la GPA. C'est non, je parlais de l'entretien. Voilà. Bon. Et que ça vous emmerdait un petit peu parce qu'évidemment ça prolonge la fin du chantier. C'est pas ce qui est prévu effectivement contractuellement dans un classique marché de maîtrise. Voilà. Et moi, je pense à l'inverse. Qu'on ne devrait pas, on devrait réussir à obtenir des marchés de maîtrise d'œuvre qui, à minima, durent 15 ans. Parce que le paysage commence, c'est pas comme l'architecture, à minima, dure 15 ans. Mais c'est pas comme ça que ça se fait. Tu prêches un convaincu, et j'en parlais tout à l'heure, c'était effectivement de se dire, on doit avoir un retour d'expérience, on doit pouvoir revenir 5 ans ou 10 ans après pour pouvoir... Oui, mais c'est pas seulement pouvoir revenir, ça serait avoir un contrôle continu des connaissances. C'est-à-dire, quand il se fait des choses, on est toujours informé. On a, à la limite, 2 visites par an, 3 visites par an qui sont prévues, qui sont payées, pour qu'on voit comment ça évolue, qu'on donne des conseils, mais que ça soit contractualisé. Tout à fait. Pour que tout cet entretien soit dans les marchés. Et vous savez pourquoi ce n'est pas fait comme ça, à la base. À la base, ce n'était pas fait pour ça, parce que les communes ou les maîtres d'ouvrage en général récupèrent la TVA sur les créations, et pas sur l'entretien. C'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets. Bah oui, mais que ça soit. Mais... Investissement et fonctionnement, c'est pas la même chose. Donc. Oui, mais c'est ça qu'il faut réguler. Faut qu'on imagine que le fonctionnement est une création. Ah non, mais. C'est-à-dire que ça continue à se faire. Le moment où commence à part. Je suis convaincu, moi. Oui, mais il faut lutter pour ça. Les Champs-Élysées, j'ai proposé gratuitement à la ville de Paris, au bout de 4-5 ans, quand j'ai vu que ça commençait à se dégrader, que le cabinet Bernard Hormette, même Bernard étant décédé, qu'on aille une fois par an avec ses anciens collaborateurs et les miens sur les Champs-Élysées pour faire un constat de ce qui pouvait être remplacé, remis en état. Sachant que nous, dans nos marchés publics, on avait acheté un nombre considérable de pierres supplémentaires d'entourage d'arbres et autres pour que ça puisse être fait. Ces pierres-là ont été mises en stock dans les entrepôts de la ville. Personne ne s'en est occupé, ne les a utilisées. Aujourd'hui, 20 ans après, enfin, en 30 ans même, on a des pierres qui ont été remplacées par d'autres trucs. Les potelets qui avaient été dessinés par Bernard Hormette et non pas par Villemotte ont été remplacés par d'autres potelets. Enfin bon, après on critique ce qui a été fait, mais il n'y a pas eu d'entretien. Malheureusement, les pierres qui avaient été achetées pour faire de l'entretien ont dû être utilisés ailleurs. Mais, donc, nous, on l'avait proposé, je l'ai proposé à plusieurs directeurs de la voirie, hein, en disant, on peut y aller, ça sera gratuit, mais parce que ça nous fait mal au cœur que ça ne soit pas entretenu. On n'a jamais eu de réponse positive. Hein. Non, mais on a tous fait ces démarches-là, effectivement, qui ne marchent pas pour des raisons très claires, c'est qu'elles ne sont pas contractualisées normalement. Oui, mais même gratuitement. Oui, mais gratuitement, ça ne suffit pas. D'ailleurs, si c'est gratuit, c'est que ça ne vaut rien. Oui. Tout à fait, un beau sujet pour la Fédération du paysage, je pense. Le débat est très ouvert. Oui. Mais c'est ça l'échange, c'est comme ça qu'on grandit. Non, puis c'est vrai qu'on pourrait aussi faire une conférence paysagiste-ingénieur sur planter un arbre et l'histoire de la plantation et comment, dans certaines offres, on a réussi à avoir des rues déjà et on a eu du mal à planter des arbres. Et dans d'autres, on a bien planté des arbres, même si l'offre n'était pas intéressante au niveau urbain ou je ne sais pas. Et en tout cas, sur cette histoire de plantation, là, on a un beau sujet pour une conf à un duo, quoi, un débat. Alors, moi, je vais changer de casquette et je suis habitante à Montparnasse. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on remplace cette magnifique fontaine qui était le plan inversé circulaire sur la place de Catalogne par des arbres au milieu de la place, ce qui ne constitueront pas vraiment une forêt, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup, une forêt c'est un petit peu plus grand. Et est-ce que les gens qui sont dans la fontainerie, j'ai entendu que vous aviez beaucoup d'actions dans la fontainerie, peuvent nous dire effectivement si c'est un problème d'entretien insurmontable que de ne pas faire fonctionner
cette sculpture fontaine qui était vraiment extraordinaire et qui était surtout un miroir, puisque de l'autre côté, ça donne donc sur la Tour Eiffel et tout le quartier de Montparnasse. Merci. On ne va pas pouvoir répondre à cette question, franchement. Mais écologique, écologique. Point. On fait des forêts urbaines. Voilà. Et une forêt urbaine, moi j'ai toujours dit, c'est politique. C'est à la vraie forêt. Voilà. Une bassine d'eau salée est à la mer. Après, personnellement, moi je pense que toutes ces transformations urbaines qui se font par petites touches correspondent quand même à des stratégies globales qui sont certainement intéressantes à étudier aussi. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non, je ne peux pas répondre dans l'étude de la situation puisque je ne connais pas suffisamment cette fontaine-là. Il y en a beaucoup à Paris. Et effectivement, celle-là, je ne connais pas son entretien. Mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. On a refait la porte de Saint-Cloud et la fontaine de Saint-Cloud. Qui est du coup deux belles œuvres qui la racontent aussi beaucoup de choses en termes d'histoire. Ouais. Les choses sont possibles, il faut les faire avec respect et avec effectivement ambition et avec, avec de l'argent. Et ça, c'est effectivement des choses qui parfois ne sont pas soit compatibles, soit effectivement doivent être discutées. Voilà. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas installer aucune rivalité, pas l'eau, pas l'arme. Très bien. Bon, merci. Ben, on va clôturer cette conférence. Ça va pour vous? Vous voulez dire quelque chose? Non. Merci à tout le monde. Un grand merci. Et puis, on n'a pas parlé effectivement de nos maîtres d'ouvrage, de nos clients, mais un grand merci aussi à eux, parce que c'est aussi avec eux qu'on arrive à faire tout ça. Voilà. Merci à tous. On se retrouve en janvier. Merci. Avec le paysagiste Dominique Hernandez en janvier.